Clémence. Bonjour Anne-Laurence, bonjour Paul. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du Bangladesh qui est réputé pour le textile. Oui, effectivement, le Bangladesh, on en parle beaucoup, surtout quand il s'agit des drames qui concernent les usines de fabrication de nos vêtements. Et pour cause, hein, le Bangladesh est l'un des plus grands exportateurs de vêtements dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on sait sur le Bangladesh ? Le Bangladesh, il y a 154 millions d'habitants au Bangladesh. Et sur ces 154 millions d'habitants, eh bien, il y a 1% de chrétiens. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en avril 2013, des dizaines de milliers d'extrémistes ont défilé dans les rues du Bangladesh pour demander l'instauration de la loi anti-blasphème et aussi la condamnation de deux blogueurs athées qui auraient blasphémé contre le prophète de l'islam Mahomet. Et le gouvernement n'a pas cédé, ce qui est une très bonne nouvelle. Parce que si jamais la loi anti-blasphème avait été instaurée, ça aurait été dramatique pour les chrétiens du Bangladesh, qui vivent déjà la persécution. La persécution concerne surtout les chrétiens qui sont d'origine musulmane. Une fois qu'ils se convertissent au christianisme, ils doivent faire face au rejet de leur famille, de leur communauté, finalement. Et puis les églises, bien sûr, qui sont composées de chrétiens d'origine musulmane, vont vivre exactement la même chose. Donc, les églises locales, qui malgré tout grandissent, se heurtent aussi à l'opposition de groupes terroristes. J'aimerais tout simplement qu'on puisse regarder ensemble un reportage, donc juste un extrait, qui nous montre un cas de persécution au Bangladesh. Ce qui est frappant dans cette vidéo, c'est de voir que la foi qui a coûté donc la vie de son fils, c'est également cette même foi qui l'a amené à pardonner les agresseurs de son propre enfant. On peut vraiment parler de la puissance du pardon, hein. C'est vraiment un acte fort et que parfois on peut assimiler à quelque chose de lors de la fuite ou de la lâcheté, alors que en fait c'est tellement courageux. Merci pour cet exemple édifiant.